Ông cứ cho. Ông chủ nhiệm cả to cái tầm là cái thì tầm là cả hay bắt đầu là cái chuyện từ dạ bên nhà rồng ăn lại chết mà to cả tăng xâm rồi đến đầu chụp phục chấm nền. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous donner quelques slogans vous faire décortiquer ce matin avant de passer à d'autres sujets. Le slogan suivant est le slogan portant le numéro 148 en français et 169 en anglais. Il dit ceci, une main pour la production, une main pour frapper l'ennemi. Est-ce que ce slogan s'appliquait à tout type d'ennemis, c'est-à-dire à la fois aux ennemis extérieurs et aux ennemis de l'intérieur? Je vous remercie, Monsieur le Procureur, de cette question. Je ne me suis pas posé cette question parce que ça me... paraît être essentiellement l'ennemi de l'intérieur, puisque là il s'agit de... ça s'adresse probablement surtout en général à la population dans son ensemble, mais probablement plutôt aux soldats. En fait, ça marque les deux grands axes de la politique du Cambodge démocratique, c'est-à-dire multiplier la production par 3, un hectare, 3 tonnes, d'une part. Et l'autre préoccupation, c'est dénoncer les ennemis. Évidemment, si on est soldat, c'est l'arrêter et éventuellement exécuter. Si on est simple citoyen, c'est rapporter à l'ANCA qu'il y a un traître parmi nous. Le slogan suivant porte le numéro 159 en français et 197 en anglais. Il dit ceci, il faut écraser les ennemis vietnamiens à valeur de territoire. Fin de citation. Alors, dans le contexte des années 77 et 78, en particulier, est-ce qu'il fallait comprendre ce slogan comme s'appliquant à tout Vietnamien quel qu'il soit, c'est-à-dire résident encore au Cambodge, Vietnam ou Cambodge, résident au Vietnam, que ce soit au Vietnam profond ou le long de la frontière, ou encore à des Vietnamiens qui circulaient au large des eaux territoriales cambodgiennes. Est-ce que ce slogan visait tous les Vietnamiens ou un certain type de Vietnamiens en particulier? Voilà, donc ça fait partie des catégories d'ennemis clairement identifiables. Les Vietnamiens à valeur de territoire, ça représente les Vietnamiens de l'étranger. Ceux qui attaquent, alors il faut savoir que pratiquement pendant tout le régime, c'est-à-dire dès le 17 avril 1975, il y a eu des escarmouches tout le long de la frontière. Et on a beaucoup dit que c'était les Khmer rouges qui avaient attaqué et détruit des villages vietnamiens. Par les interviews que j'ai aux combattants de l'extérieur.
Quant à être à valeur du territoire, c'est quelque chose qui est, comme vous le savez, repris depuis des décades, sinon des siècles, parmi les Cambodgiens. J'ai aussi noté, comme je le dis ici, que les minorités ethniques de la cordillère anamnétique du centre du Vietnam ont aussi traité les Vietnamiens d'un valeur de territoire, puisque l'on prie tous les territoires de Dalat et de la cordillère anamnétique. Il s'agit bien de l'impérialisme des Vietnamiens, et pas les Vietnamiens à la guerre du pays. D'ailleurs, ils étaient très peu nombreux, parce qu'ils avaient été expulsés. La plupart étaient des conjoints de Cambodgiens, et on ne leur reprochait pas d'être dans le territoire. Donc, je pose cette question plus tard de l'intérieur de Cambodgiens. Le slogan suivant semble s'appliquer à des Cambodgiens plutôt, il est très connu, c'est le slogan qui porte le numéro 163 en français et 202 en anglais. Je cite une tête vietnamienne, un corps khmer. Fin de citation. Dans quel contexte particulier a-t-on utilisé ce slogan et pour viser quel type de personnes parmi les Cambodgiens? Oui, alors il est connu qu'à la suite des attaques sanglantes qui ont eu lieu en 1976 et 1977, des attaques coup de poing de la part de troupes spéciales formées spécialement le long de la frontière vietnamienne par les autorités du Cambodge démocratique. Devant la menace vietnamienne, c'était une menace de contrôle de la révolution cambodgienne. Mais il y avait deux tactiques, c'est évidemment la discussion, la diplomatie. Et il y avait l'attaque, malheureusement pour le Cambodge, c'est la manière forte qu'il a emportée. Donc il a été décidé par la direction de former des troupes spéciales qui devaient pénétrer une dizaine de kilomètres dans le pays et tout tuer sur son passage. Bon. À la suite de ça, les Vietnamiens ne sont pas arrivés à changer la direction du Cambodge démocratique. Donc ils ont utilisé les autres tactiques au cours de l'automne 1977. Ils ont envahi le pays, mais à une grande échelle. On a beaucoup dit que c'était Swayreng le Prévent. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient envahi le pays, en tous les cas, jusqu'à Mondolkiri et jusqu'à Cognac. Cognac, qui était à près de 50 km de la frontière. Donc il y a eu un premier grand envahissement du pays par l'armée vietnamienne pour donner une leçon à la direction du pays, et leur dire, cessez vos exécutions, c'est nous les plus forts. Et ils se sont retirés au début janvier, début janvier 1978, et à ce moment-là, Pol Pot et la direction Khmer Rouge a proclamé que c'était une grande victoire. Donc le 6 janvier est devenu une date symbolique, une grande victoire, Vietnamiennes avaient pénétré presque la moitié du chemin. Donc, ils étaient pénétrés assez profondément dans le Kampuchea démocratique. Donc, on a considéré que toutes les troupes stationnées à l'est du pays avaient été des traîtres, puisqu'ils avaient laissé les Vietnamiens pénétrer 6 mois. Et donc, on a forgé à ce moment-là le slogan, c'était des Cambodgiens, mais ils avaient une manière de penser, un cerveau vietnamien. Donc,
étaient visés, c'était des Cambodgiens. Qui sont les apparitchiks, les civils, les Kamapibal de la région Est, et les soldats de la région Est. Dans un certain nombre, comme vous savez, sont été amenés à Isle 21, mais ont été tout de suite exécutés. Donc, et puis, quant à la population civile qui était près de la frontière, elle a été déportée, comme vous savez, vers Pursat, Battambang, etc. Donc, ça a été, derrière ce slogan, il y a des massacres sanglants. Juste une question de suivi de logique à propos de ça. Il y a eu pénétration des forces vietnamiennes, vous l'avez dit, sur une grande portion du territoire. Les forces de l'Est étaient dirigées par Sun Sen, vous l'avez dit. Certaines forces sont arrivées assez proches de voilà, la province de Takeo. Pourquoi Sun Sen et Tamok n'ont pas été inquiétés? Pourquoi ne leur a-t-on pas appliqué ce slogan « Une tête vietnamienne, un corps Khmer » Hay mấy cơ Sun Sen hay nung Tamok nung man anuvat piek slok nung. Lui c'était est-ce que vous pouvez recommencer parce que le voyant n'était pas allumé? Ah, pardon, excusez-moi. Oui, Sun Sen était responsable de l'ensemble, l'armée cambodgienne. Celui qui était responsable, c'était pas Tamok. Tamok était responsable de la région sud-ouest de Nirebei. C'est Sao Phim, qui était responsable de la région Est, et c'est Sao Phim précisément qu'on a accusé d'avoir parlé Khmer. Alors, est-ce qu'il serait suicidé? Est-ce qu'il a été exécuté? Il voulait faire appel à Arek Sat, d'ailleurs, juste de l'autre côté de Phnom Penh, de l'autre côté du Mekong, il était là. Il voulait s'expliquer avec Pol Pot, et en particulier dire qu'ils avaient tout fait pour lutter contre les Vietnamiens, j'imagine. Et qu'à un certain moment, on pensait que les troupes traîtres étaient les troupes de Tamok, les troupes Nirodei. Donc, il allait y avoir une bataille entre les Boupiers et Nirodei. En fait, ça n'a pas eu lieu puisque c'est les Nirodei qui ont été exécutés. Voilà. C'est la cause, disons, de la chute de Sao Phim et de tous ses acolytes. Sachant que Sao Phim était quelqu'un de très proche de Pol Pot, c'était un ancien Khmer Viet Minh. J'ai su par le neveu de Pol Pot, Salat Ban ou Sohong, que Sao Phim, comme Ros Nim, était menuisier, charpentier, et qu'il avait fait des travaux pour la maison de Pol Pot à Phnom Penh, pour vous dire, donc ils étaient très proches. Je reviendrai là-dessus également, mais est-ce que Sao Phim est resté loyal à Pol Pot, également Nunchiang, jusqu'à la fin de sa vie? Voilà, il faut lire sa confession. Confession que je n'ai pas lue. Comme la plupart il faut savoir que dans la direction où il y avait les intellectuels et les chefs de région. En fait, qui avait toujours le dessus sur le commandement, c'était toujours les civils. Voilà. Donc, il faut savoir que tous les chefs de région ont été purgés, sauf Pour en finir avec ce slogan,
ដើម្បីបញ្ចប់ពាក្យប៉ុនទៅនឹងអានពាក្យស្លោកនេះខ្ញុំនឹងអានពាក្យស្លោកមួយចំនួនពាក្យប៉ុនទៅនឹងពុទ្ធសាសនិកគឺពាក្យស្លោកនេះ Le troisième, très rapidement, là, c'est pas une spécificité du tout de la révolution du Cambodge démocratique. C'est la doxa. Mr. Prosecutor, could you repeat the question, please? Bien sûr, Madame la juge, j'espère que vous m'entendez. Pouvez-vous, donc, l'expert, nous expliquer pourquoi les moines étaient traités de parasites ou de vers intestinaux et vous demandez en longue lettre bref votre réponse. Ceci n'est nulle part une spécificité de la révolution du Cambodge démocratique. Ça fait partie de la doxa, c'est-à-dire les croyances fondamentales du marxisme-léninisme. Et c'est Marx lui-même qui a proclamé que la religion est l'opium du peuple. Donc c'est la transcription dans la rhétorique cambodgienne du dogme marxiste, la religion est l'opium du peuple. Quant à se prosterner devant Je vais les lire tous les trois également. Je cite, les malades sont victimes de leur imagination. Deuxièmement, il faut anéantir tous les malades imaginaires et les rejeter hors de la société. Et le troisième, les malades n'ont pas besoin de manger parce que la maladie coupe l'appétit. ជំងឺវាធ្វើឲ្យបាត់ការស្រេកឃ្លានឯការអត់អាហារបណ្ដាលឲ្យជាសះស្បើយ Fin de citation. Donc d'où venait cette suspicion de la fausse maladie par rapport aux travailleurs qui travaillaient soit dans les coopératives ou sur les grands chantiers. Oui, là, la réponse est un peu inverse à ma réponse précédente. La position anti-religieuse fondamentale chez les communistes. Par contre, s'en prendre aux malades,
c'est une spécificité de la révolution Khmer Rouge. Ça montre que c'est très ambigu et on peut lui donner deux traductions. Che, ça veut dire malade. Sortez Aram, c'est votre mentalité. Voilà. Alors, ça peut vouloir dire, comme je l'ai écrit ici, vous êtes des malades imaginaires. Vous faites semblant d'être malade, mais pas malade. Mais ça peut aussi vouloir dire ce qui fonctionne pas chez vous, c'est votre idéologie. Vous avez une mauvaise idéologie. C'est l'avantage des slogans, c'est comme la poésie, c'est polysémique, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais pour répondre précisément à votre question, ils s'en sont pris aux malades. Des gens, j'ai eu l'exemple, déjà dans le premier livre de Mungson, un de ses neveux ou beaux-frères, Il fallait qu'il travaille quand même. Je n'en suis pas si sûr. Évidemment, si c'est quelqu'un qui est très malade parce qu'il est déjà très sous-alimenté, c'est particulièrement criminel. Mais pour quelqu'un qui n'est pas très sous-alimenté, la diète est reconnue, je crois, par les médecins, comme un mode de... Surtout le repos et le sommeil. Ça fait partie des recettes assez classiques. Oui, si ce slogan a effectivement été prononcé, est-ce qu'il a été inventé par la direction? Est-ce que c'est un petit apparatchik local qu'il a imaginé? Vous notez la littération entre Khmang et Khmaut. Khmang, c'est l'ennemi, Khmaut, c'est le fantôme, le cadavre. C'est évidemment absolument abominable. C'est-à-dire, ça résume évidemment toute la politique de répression du pays. À la moindre répression, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est un slogan que vous avez entendu plusieurs fois dans le pays? C'était un slogan qui était courant, si c'était seulement une personne ou une poignée de personnes qui en parlait. Quelquefois, je mets une note sur l'origine du slogan. Mais encore une fois, comme vous savez, j'ai commencé à collecter ça par amusement. Je ne pensais pas du tout en faire une publication. Donc je ne peux absolument pas répondre à cette question. Mais du point de vue de la rhétorique, il est excellent parce qu'il est très bref. Il y a une allitération, donc il y a un élément de poésie. Et il dit beaucoup de choses.
en quatre mots. Clay ta pa nong ku min donc c'est un bon pia ta buon ta pa nong tae vi min nay chran na ba jeung vais passer un autre sujet il me semble que dans vos ouvrages chou ta petit bab seing vous avez na knong sophe roba lok beaucoup consacré lok ban sa seing chi à ce qu'était l'état totalitaire vous appelez l'état totalitaire roat padaka nay kampuchea pachea thapatai est-ce que vous pourriez nous expliquer précisément quels sont les éléments qui constituent, selon vous, le totalitarisme du régime du Kampuchea démocratique? Alors là, vous me demandez une question très vaste, sur laquelle, universitaire, on pourrait faire toute une série de conférences, je suis sûr que dans les attitudes politiques, on parle beaucoup de totalitarisme, et surtout de comparer le totalitarisme de type nazi et le totalitarisme de type communiste. Je voudrais partir d'une distinction très simple, de John Stuart Mill, qui a écrit son fameux « De la liberté en liberté » en 1860. Et il a distingué la sphère du privé et la sphère du public. Et je trouve que c'est une distinction qui est extrêmement intéressante. Ce qui relève de la sphère de l'État, de l'administration, et de ce qui relève de la sphère du privé, et de la famille. Sous le Kampuchea démocratique, une des grandes caractéristiques de l'État totalitaire, c'est que l'État envahit tout. Il n'y a plus de sphère privée. C'est-à-dire, cela veut dire que tout devient politique. Puisque tout appartient à l'État, même un petit épi de blé, ou même une banane, est propriété de l'État. Si vous touchez à une banane ou à un épi de blé, de riz, pardon, sans la permission de l'État, vous vous mettez, vous êtes un délinquant. Et vous êtes susceptible de punition. Et ça allait très loin, puisque même la vie sexuelle, il faut aller plus loin qu'aucun des pays. C'est pour moi, c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier le Kampuchea démocratique, que je m'excuse auprès de mes amis cambodgiens. C'est devenu une espèce de laboratoire du régime totalitaire idéal. Donc si on a bien compris comment fonctionnait le Kampuchea démocratique, on sait ce que c'est qu'un régime totalitaire. C'est-à-dire un régime où une petite poignée d'individus, dans le cas du Cambodge, ce n'est pas un homme, c'est pas un Staline, ni un Mao, ni un Kim Il-sung, ni même un Ho Chi Minh, mais un groupe de gens. C'est vraiment un Anka, c'est vraiment un Soviet. Et je crois avoir lu que Pol Pot ne prenait jamais aucune décision sans l'avis de Nguyen Chia. Nguyen Chia aurait dû, après la mort de Thu Samut, être le secrétaire du parti. Pour des raisons qui sont personnelles, je ne crois pas que c'était un très bon orateur. Il avait un visage un peu sévère, comme vous avez pu le voir ici au tribunal. Il n'avait pas le sourire charmeur de Pol Pot, qui était un bien meilleur communicateur. Mais je pense que Nguyen Chia a été l'ombre de Pol Pot, pourtant. Il a mis en musique les idées qui étaient échafaudées tous les deux. Et je pense que aussi Pol Pot a joué un rôle important. Puisque dans les sessions de rééducation, c'était les orateurs phares. Pol Pot parlait pendant des jours et des jours. Il était suivi par Nguyen Chia. Et après, c'était que son pomme. Et que son pomme, quand ceux qui revenaient de l'étranger arrivaient à l'Institut de technologie, qui avaient des séances de rééducation, l'orateur phare, c'était qu'il son pomme. Ces personnages monopolisaient la pensée, c'est-à-dire qu'ils avaient même nationalisé
chia khu khắp la pensée, il y avait plus de pensée individuelle. Il fallait remettre toute sa personnalité entre les mains de l'homme. Vous remettiez non seulement tout vos biens, vous remettiez non seulement vos enfants, mais vous remettiez même votre façon de penser. Je crois que aucune société au monde est allée si loin. Chẳng mình đã miên bạn để vọt na để để suy chủng rau đó thả năng thì ở totalitarisme lúc nhóm xong tôi làm ăn gì thì là thị đại ca mình mà đón cité ce que vous dites avoir lu lúc nhóm đó sang ở vậy để lục bàn lùng gì thay lục bàn án anh không soi vào lục cục gọi là Khmer Rouge đã miên lệ ai cái xa ở bay slash đáp và môi đôi sai sắp miên chủng non chương tha En français ou pas, je pense que c'est un peu de temps. 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 Je pense que Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Les IRN en français, il n'y a pas de, je crois, de traduction. Mon mien cap bọ prai tom poan ite. C'est 0, 1, 3, 0, 3, 5, 8, 1, jusque 8, 2. En particulier, la seconde page de cet extrait, il dit ceci. Les deux personnages de Pol Pot et Nusret fonctionnaient, pour ainsi dire, comme les deux hémisphères d'un même cerveau. Ainsi que Nunchia l'expliqua à Sambat Tet, qui au cours des années 2000 deviendra son confident. Et puis, vous citez, je n'étais pas le bras droit, c'était Nunchia. Je n'étais pas le bras droit ou le bras gauche de Pol Pot, nous étions égaux. Pol Pot ne me servait pas et je ne le servais pas. Deux nous servions la voie tracée par le parti. Est-ce que ce passage-là ou d'autres sources d'informations qui vous poussent d'autres sources d'informations qui vous poussent trang chấm nói như thế hay rứ đại lục hiên an thá Pol Pot nâng nuôn chia nít thơ sạch đây sầm lại rùm khnía rọt đòn oui absolument chấm lại ba nâng hai nên chia vào phục để chia mùi than bọc nhôm nhôm miền tổng quà nhôm miền ai sao mà chưa làm tổng quà đấy nhôm sờ bài chết đấy lục đỏ sờ răng nhìn lại như máu Je suis convaincu que nous sommes très vrais, correspondent à la réalité. Nous avons en plus le témoignage de Dutch, et je crois vraiment que Dutch, là, dit la vérité. Quand il dit les deux, il dit les deux oncles, homme pi, quand il dit l'anka, l'anka pouvait aussi bien référer à Pol Pot ou Nunchia. Et je crois qu'on en a de multiples preuves. On a aussi les déclarations qu'a fait lui-même, j'ai ici dans mes notes, au parti communiste de Nunchia lui-même, en 1977, au parti communiste d'Annemar, qu'il y a des listes de citations qu'on peut faire et qui nous montre que đã bằng hai tha nuôn trí qua tiền nét bằng chia ăn cả hai hai cô ca đại ca nó cứ ca cô ca sầm ngát nơi ca là làm nan thật đặc nòm sầm ngát nó cứ mình miền này là chạm mà nó cứ phải là quá ruồi chẳng nuôn trí qua de prendre le maquis comme tous les autres Il avait une couverture, il croyait qu'il vendait des matériaux de construction. Donc il a pu rester à Phnom Penh jusqu'à la fin de 1970. Il a réussi à la police. Il a réussi à la police. Il a réussi à la police. Il a réussi à la police.
Puisqu'on a dit, c'est les Vietnamiens qui ont dit, c'était Pol Pot, la clique Pol Pot, Yeng Sari. Pourquoi les Vietnamiens ont-ils proclamé que c'était la clique Pol Pot, Yeng Sari? Tout simplement parce que Yeng Sari était vu comme l'homme de Pékin, c'est qu'il était en réalité, puisque celui qui était à Pékin en 1971 et qui surveillait Sihanouk, est sûr que Sihanouk n'allait pas négocier avec la République. Il a suivi Sihanouk tout le temps, il a empêché de négocier avec Matak, Lamborette et les responsables de la République. Donc, ensuite, bon, il était partiellement chinois aussi lui-même. À la suite du régime, les Chinois lui ont donné un passeport qui s'appelait Sun Hao, presque le même nom que l'ambassadeur de Chine, habillé comme chinois. Donc c'était vraiment l'homme de Pékin. Et c'était un homme par lequel les dollars, les millions de dollars qui arrivaient depuis la Chine jusqu'au Conseil démocratique arrivaient par la poche de Yeng Sari. Comme à cette époque, c'était l'époque de la rupture entre les pro-chinois et les pro-soviétiques, les Vietnamiens étaient venus anti-chinois, spécifiques avec l'Union soviétique. Donc, Yeng Sari était la bête noire des Vietnamiens, donc ils ont proclamé, c'était Pol Pot Yeng Sari. Par contre, les deux autres dirigeants, surtout Nguyen Chia et Son Sen, pourraient être devenir les amis. Donc on n'a pas traduit les Vietnamiens savaient très bien que le numéro 2 c'était pas Yeng Sari, ils savaient très bien que c'était Nguyen Chia, mais ils espéraient peut-être gagner au People's Republic of Cambodia, à la République populaire de Cambodia. Ils espéraient peut-être gagner Nguyen Chia. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas traduit devant le tribunal. Parce qu'ils n'avaient pas de grands leaders. Ils ont trouvé Rinsari qui était quand même au personnalité très secondaire. Ils ont voulu mettre une personnalité de premier plan dans ce nouveau régime. Et d'autre part, Lê Duan, qui à ce moment-là était le premier ministre du Vietnam communiste, se considérait comme l'ami de Nguyen Chia. Nguyen Chia a été aussi formé par les Vietnamiens. Il parlait le Vietnam. C'est lui qui toujours était à la tête des négociations entre le Cambodge démocratique et le Vietnam. Bush d'ailleurs nous a dit ici que c'était Hing Samrin qui accompagnait Nguyen Chia dans ces négociations au Vietnam. Donc il était vu comme l'ami des Vietnamiens. Merci. Je vais revenir maintenant au totalitarisme. Nous avons parlé de l'envahissement total dans la sphère privée, Est-ce que ce contrôle sur le Cambodge démocratique Bien évidemment, c'était la rhétorique de tous les pays communistes. Lénine, Staline, qui n'était pas du tout d'origine populaire, ni l'un ni l'autre. L'exemple préféré était l'incarnation du... C'est la différence entre marxiste et léniniste. C'est Lénine. Lénine, Marx, il a dit, c'est les prolétaires qui vont venir au pouvoir. Mais comment ils vont venir? Karl Marx, qui va les représenter? Marx, je crois, ne dit pas grand-chose là-dessus. C'est Lénine qui a proclamé, c'est nous, les semi-intellectuels, ou les intellectuels ratés, ou des intellectuels, qui seront l'incarnation du prolétaire, avec un P majuscule. Et Pol Pot s'est refait une biographie en prétendant au Yougoslave qu'il était ouvrier des plantations de l'Ivoire. Pol Pot n'a jamais été ouvrier. Il n'a jamais rien fait de ses mains. D'ailleurs, il était fils de paysans relativement aisés. Et il a eu une vie extrêmement privilégiée puisqu'il a été élevé autour du Palais Royal d'Italie dans les meilleures écoles du pays. Donc il n'était absolument pas d'origine prolétaire. Mais il avait dit comme Lénine,
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សកម្ពុជានឹងគាត់ប្រាប់គេថាគាត់ជាវណ្ណៈធនដែរ Est-ce que ce totalitarisme que vous avez décrit la thématique de l'Oban Poirier ou bien progressivement l'ont subi à des moments différents selon qu'ils appartenaient au peuple nouveau ou au peuple ancien. Oui, le totalitarisme s'est mis en place, comme on le sait, dès le moment de la guerre civile, dans les zones contrôlées par les révolutionnaires. ដែលមានតំបន់មួយចំនួនស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ជនបដិវត្តន៍ទី 1 សេឡាលីបេរតេដឹមូវម៉ង់ដែលគេដកហូតនៅតំបន់នោះគឺគេដកហូតសិតដើរហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតការជំនះប្រជាជនក្នុងទ្រីធំនោះបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ 1971 ឧទ Troisièmement, il y a été aussi évacué. តើឥទ្ធិពលនៃការដាក់រួមនេះឬក៏ធ្វើសមូហភាពនេះការហូបចុករួមនេះវាជះឥទ្ធិពលអីខ្លះទៅលើប្រជាជន Alors là encore, je reviendrai à Mengson et son épouse Pali. C'est comme une école d'initiation non seulement au monde carcéral, mais au monde totalitaire. Pendant toute l'année 75, c'est-à-dire d'avril à la fin de l'année, c'est trois quarts d'année, on sortait d'une guerre civile terrible, de bombardement, centaines de milliers de réfugiés. Et les certains, de nombreux champs,
Pourtant, c'est l'année où personne n'est mort de faim. Pourquoi personne n'est mort de faim? Parce que les gens avaient le droit de forage for food, on dit en anglais, c'est-à-dire ou des bagnes, je ne sais pas comment on peut les appeler, dans cette commune populaire, on va les mettre dans des greniers, et à partir de janvier, on va manger en commun. Donc ça, c'est la théorie. Est-ce que ça s'est passé partout au même moment? En gros, c'était vers ce moment-là qu'on a établi le régime totalitaire. C'est-à-dire qu'il fallait tous vos instruments de cuisine, on vous les prenait, on ne vous laissait que des cuillères, en gros, c'est tout. Et les gens de la disette, on est passé de la disette, dans toutes les trois années qui ont succédé, il y a eu des récoltes de riz fantastiques. Tous les témoins qu'on a eu, on dit qu'on n'a jamais produit autant de riz au Cambodge. Et pourquoi les gens sont morts de faim? Parce que l'État totalitaire a pris le riz à la population. Et il n'est pas impossible qu'on ait prélevé jusqu'à 75% des récoltes. C'est-à-dire que notre président François Hollande a été critiqué voulant taxer les riches, les plus riches, jusqu'à 75%. Évidemment, on ne l'a pas fait. Mais je crois que les Khmer rouges ont été ceux qui ont taxé la population le plus dans tous les régimes qui ont existé au monde. C'est-à-dire qu'on leur a pris peut-être jusqu'à 75% de ce qu'ils produisaient. Du fait de l'instauration de ce totalitarisme, il y a plus de choix, de décision, de maître de famille, de choix, de vie sentimentale, de vie familiale, de vie sentimentale, 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 de vie sentimentale
tam phai nạc ca rồi bò mê đất nông khám ai khá hôm nơi tam mù lạ thán khi vãi chuông vì bà lâm chân tớ ôi trâu ngợp khá nông phê cho mùi khá nia chanh cho thơ ca cho mùi khá nia thà thì tu tớ ọt bàn nhằm bài đi muốn chanh cho thơ ca nó vô thà nhằm lực tìm mùi khi nơi ngay trống chân dưỡng ọt miên sức tầng chưa rơ ca nghe bọc luôn bông chẳng la militarisation chẳng dương trâu cứ ni cứ chi ca la population paysanne un paysan par définition c'est un homme libre
Mien tè sân nát, bọc kê tnà đặc nôm chân. Et ont souffert, c'était pas 1 ou 2% d'opposants comme Pol Pot l'a proclamé dans son fameux discours de 1977. Il y a 1 ou 2% d'ennemis qu'on ne peut pas convaincre. C'était justement l'inverse. Quand on a un peu de temps, ne parvenez pas ou n'acceptez pas de se fondre ou de disparaître dans le collectif. Que lui arrivait-il sous son Alors, comme tout le monde le sait, si on n'était pas content, il fallait fermer les yeux, boucher les oreilles et fermer la bouche, c'est-à-dire tenir le profil le plus bas et travailler comme une bête de somme. Cacher surtout ses pensées, cacher son origine. Et un certain nombre de gens ont assez bien réussi à faire ça et ils ont pu survivre. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce terme a été utilisé et à quelle fin, quel bénéfice pouvaient retirer les dirigeants du Cambodge démocratique d'utiliser ce terme anonyme Cambodge de Bon, nous avons plusieurs livres sur l'histoire du Parti communiste du Cambodge. L'origine, c'est Alors, la deuxième question qui est contenue
Ça leur a très bien réussi. Imaginez, Paul Pot, quand il a quitté fait sa longue marche de Ratanakiri à Stamchinit, après juste après la chute de Sihanouk, se sont rapprochés progressivement d'Phnom Penh et pour mener la Bacal, la prise de Phnom Penh. Mais ils sont restés là toute l'année 71, 72, 73, 74, pendant 34 ans. Ils ont tenu un grand congrès du parti en 71. On a déjà parlé du fait que les religions avaient été supprimées. Vous avez dit plusieurs fois dans le passé que l'Anka pouvait jouer. Alors, voilà, Dieu dans les religions, en tous les cas chrétiennes, c'est quelqu'un qui incarne l'amour, la bonté, le bien, et tout ça, est éternel, est invisible. Avait le même sens pour les Cambodgiens sous le Cambodgien démocratique. Il était au pouvoir, il y en a pouvoir qui sont les beaux, qui voulaient apporter le bonheur, le développement, la richesse à tout le monde, qu'il aimait tout le monde, qu'il était le père de tous les Cambodgiens, etc. Mais personne ne voyait, personne ne savait qui c'était. Moon Jae a réussi à rester dans l'ombre jusqu'à la fin de Phnom Penh. Il y a des gens qui allaient aux sessions de formation Phnom Penh. Paul Pot,
hay Pol Pot kế đang cả nơi chân nằm phòng bộ đội chặt sắp bằng Pol Hải thì kế đang thật quạt chìa lý dụ đoàn trầy lê khá bạc. Ne connaissait même pas le nom de Pol Pot. Cả nó, bây giờ chôn Campuchia, là cả nơi sắp phía rối nó, mình thằng Skol thà Pol Pot. Ne connaissait même pas le nom de Pol Pot. Thà Pol Pot chìa nè nà phong. Ne connaissait simplement l'Anka. Donc c'est resté une identité totalement mystérieuse pour la quasi totalité de la population. Alors pourquoi ce côté religieux? Parce que dans les fêtes du parti, comme je le dis ça, je pense dans certaines unités, en particulier la fête de la prise du pouvoir, le 17 avril, la fête de la création de l'armée, la révolution de janvier, la fête de la Pâque, en septembre, fin septembre, début octobre. Il y avait des rituels qui s'apparentaient à des rituels religieux. Pour figurer l'Anka, il y avait l'Anka qui était le dieu, et ses saints, ou ses tévodas, étaient ceux qui étaient morts pour la patrie, c'est-à-dire les guerriers héros qui étaient morts pour la salade. Et j'ai eu la description de quatre femmes, c'est-à-dire qu'on mettait sur une scène et qui figurait, qui était le symbole de ceux qui étaient morts pour la patrie, c'est-à-dire comme les saints qu'il fallait imiter, qui avaient donné leur vie pour la révolution. Donc il y avait, on célébrait donc le dieu, l'Anka, les dirigeants du parti, on célébrait les saints, ceux qui étaient morts pour la patrie, il y avait des chants, des slogans, des prêches, des discours qui étaient faits comme des prêches, on a souligné par le passage bouddhiste, ça a été souligné par Philippe Schott, Ian Harris, 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 Ian Harris
ខ្ញុំមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសន្និការមន្ត្រីរដ្ឋបាលការត្រមរួមរដ្ឋកន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំនិមិត្តសាក់សីដល់សាក់សីរូបជំនាញរូបនេះនៅក្នុងឡងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្តិកម្មក្នុងបន្ទប់ធម្មការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង1កន្លះរសៀលហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនត្
mong một cần lạc. Xem rãi cho.